Bonsoir à toutes et à tous dans Canal Malak. Comme vous savez, il y a des sites internet qui contiennent des virus, des malwares, des trojans, etc. qui peuvent infecter votre ordinateur si jamais vous accédez à ces sites. La question qui se pose, c'est comment connaître si un tel site contient ces virus? La suite de cette vidéo répondra à sept points d'interrogation. Alors, pour cela et grâce à une extension de Google Chrome, vous allez pouvoir connaître si un tel site est vraiment sain. Ça veut dire ne contient pas de virus et si il contient donc ces virus. Pour cela, vous allez donc venir ici, le cercle rouge, faites un clic. Puis, cliquez sur « Plus d'outils » et dans « Plus d'outils », cliquez sur « Extension ». Dans « Extension », vous allez descendre jusqu'en bas. Puis, cliquez sur « Plus d'extension ». Une fois dans le Web Store de Chrome, faites entrer dans la barre de recherche Traffic Light. C'est le nom de l'extension à installer. Puis cliquez sur Entrée. Et voilà donc Traffic Light. Puis, cliquez sur « Ajouter à Chrome ». Attendez la vérification, puis cliquez sur « Ajouter l'extension ». Attendre l'installation de l'extension. Et voilà donc, comme vous avez donc « Attention malware ». Si vous avez un petit cercle en rouge, où il y a à l'intérieur donc le signe de multiplication, ça veut dire que le site contient des malwares. Si vous avez donc ce cercle vert avec un petit V vert, ça veut dire que le cercle ne contient pas donc de malwares et vous pouvez naviguer en toute sécurité sur ce site. Alors maintenant, on va faire un exemple de recherche. On va aller sur Google et je vais taper par exemple oiseau. C'est un exemple. Et comme vous remarquez, voilà donc le cercle vert devant ce site. Tous les sites où il y a deux, donc au début ce cercle, où il y a à l'intérieur une couleur verte avec un V en vert, ça veut dire que ce cercle ne contient pas de virus ou de malware et vous pouvez y naviguer en toute sécurité. Donc ainsi cette vidéo touchera à sa fin, j'espère qu'il vous sera très très utile. Si c'est le cas, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. À la prochaine fois.